Bonjour. Le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne. En gros, l'équipe est au complet, là, je crois, non? Ah, l'équipe de bras cassés, ouais. Oh, bras cassés. Tu sais que je me suis... Je suis pas bras cassé, moi. Attention à ce que tu m'as dit. J'ai des doutes. Non. Saint-Sulpice. Alors, salle Z. Donc, l'idée de ce soir. C'est d'aller ici. Bunker, salle Z. D'accord. Ici, salle Z, on va passer par une petite chatière. Ouais, moi, je suis ah, bah, tu vois, t'avais raison. Oh, et ben en fait, c'est pas cool. Tu m'avais dit, c'est quoi le roux? Quel roux? Convention. Dans 20 minutes, arrive à la PC. Je passe par la PC, je marche sur les 10 minutes de plus. Je suis tranquille, je suis à la PC. Ça me dit quelque chose, ça aussi. Là, on est où exactement? D'accord. Non, je suis pas passé par là, ça me dit rien. De toute façon, il faut qu'on arrive. En fait, tu te repères, tu t'arrêtes quand tu vois la porte d'Orléans. Tu vois ce que je veux dire, porte d'Orléans. On ressort par la petite ceinture après? Normalement, c'est. Ouais. On ne sera pas très loin de toute manière. Alors, pas de plaque? Non, pas de plaque, plaque volée. Ah, ils volent les plaques en plus. Ah oui, ça vaut partout. Hein. Pourquoi? Pour pas se localiser? Déjà d'une et puis ça vaut les armes. Sur le marché, ça vaut les armes. Ouais, je suis dans la main, j'ai une acétylène. Vas-y. Alors, 15, c'est la 15e, le 15e tunnel du monsieur K. 1895, c'est la date de la création de ce tunnel, complètement. Voilà, après, bien sûr, on est à Bonga. Hein. Les 20 cm de flotte froide. Ouais, c'est sûr. Bon, yo les amis, en gros, on est dans la salle du château. C'est bien ça? Salle château, tout à fait. Salle du château, salle château. Voilà, on peut voir que. Partie sud des catacombes. Partie sud, ouais. Ils ont mis des petits personnages, c'est super ce qu'ils ont fait. J'adore. J'adore l'idée. Et derrière, c'est quoi? C'est juste. Y'a rien derrière. C'est le pissoir, si tu veux aller sortir, vas-y. Ah, c'est... d'accord. Donc l'arrière, c'est le pissoir, c'est là où ils vont pisser en gros. Bon bah sale fleur. Voilà, bon bien sûr ce sont des fausses fleurs, hein, des fleurs en plastique. Oh, des fois t'en as des vraies. C'est les gens qui les ramènent. Ouais. Oh mon dieu. Voilà, il y a un dictionnaire. Tu vois par exemple. Des godasses, bref. En fait on ressent vraiment une vie sous terre quoi. Oui si ouais. Avec l'arrosoir qui va bien. Parce qu'il y a juste des piliers, c'est pour ça? Ah, mais pas cette pierre. C'est par là. Oh, il est magnifique celui-là. Oh, la dinguerie. Oh, il est trop beau. Bambi version hardcore. Bambi qui est traumatisé. Ici, le week-end, c'est blindé le monde? Ouais. De toute façon, ça se voit, il est pas bien. Vu que là, t'es pas loin de rentrer de la PC, c'est vraiment. Ah, j'aime pas trop les grandes salles. Les catacombes, ça fait toujours ma vie en fait. Vraiment, hein. Ah, quand tu dis que ça fait un peu flipper. Ici, dis-toi que des fois les week-ends, t'as 500 personnes. Donc là, on est dans la salle Marie-Rose. Ouais, là, en gros, on est en train de. De toute façon, de toute manière, c'est pas grave. Soit on essaye par la salle Foxy, parce qu'on est passé à un endroit, je crois. Soit on retourne à la salle Foxy, on essaye. Ou on tente de ressortir de ça. Ouais, voilà. Vas-y, on retourne à la salle Foxy. Moi, au début, j'ai eu le temps de me faire assez. Bébé, on va dire. Alors que ça fait 6 ans, ouais. Ouais, bah. Bah, ça fait 6 ans.
Ça glisse. Elle est toute propre la flotte. Je pense que ouais, la salle barre. Du coup, on a loupé ce lit en fait. Et c'est quoi cette flotte là? La flotte là? La flotte, ouais. Ah, ça vient de s'inonder, je pense. La flotte, pour moi. Comment c'est traite? Putain, on est chaud les gars, on a vu. Oh, il se barre. Oh, bâtard. Il te barre pas, couillon. Il est en train de chasser là. Tu chasses quoi, mon gars? Bah, les insectes, tout, les vers. Mais l'onde torche par rapport à tout ce qui traîne. Bon, prêt? Qui est prêt pour le club de la fistinière? Le quoi? Le club de la fistinière. Organisé, le gars? Ah putain, il a des piles de chez Lidl. Ouais. Il est comme moi. Vas-y, tu l'as. Action. Action, allons-y. Alors, 50, c'est le numéro de la carrière. H, on va dire Hector, c'est le nom du mec. Et 1960, je dirais. Ouais. 1863, c'est la date de cette carrière. Et en plus, au jour d'aujourd'hui, on peut voir le coup de pioche encore. Voilà. Et l'auteur. Et le plafond qui avait tout s'effondrer, donc on avance très vite. Et le plafond, en fait, avant est arrivé ici. Le plafond avant le RV. Oh, donc ils ont tout craqué, voilà. Quoi. Merci. tu sais, le merci de... il est sorti 10 minutes après. Merci. Putain, t'as toujours le Zarflex qui te sort du cul. C'est très élégant. Hein. On aime ça. On aime voir ces résidus qui sortent de ton cul. Donc y'a pas des verres. Ça montre la direction où il faut qu'on aille. C'est ça. Vas-y. C'est... Ah non. T'étouffes pas, hein. C'est un vacuum tout. Non. Non, mais il vaut mieux faire le plus loin et revenir, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Bah, aller au plus loin et quand on revient... Là, c'est tout court, en fait. Et en fait, là, ça... De toute façon, viens, bon, je vais te montrer où on est. Viens, mon chéri. Tout de suite. Regarde, on est passé comme ça, on est d'accord? On a fait tout ça. Tu te rappelles de cette chatière? La chatière que tu voulais prendre avec moi. Ouais. Là, bah c'était là, là-bas. Et nous, on est là. Rue de la Voie Verte, rue de la Tombe Isoire. Mmh. Et en gros, ça, on passe comme ça. Et on remonte comme ça. Et on tourne à droite, là, pour aller à la patinoire. Patinoire, c'est quoi ça? C'est là où ça glisse, quoi. Ouais, c'est là où ça glisse. Donc, soit, d'où le nom. Voilà. Soit on continue tout droit jusqu'à rue d'Alizia. On tourne à gauche. On va voir la petite salle chaumière. C'est comme vous le sentez. Vas-y, on tente. On tente, vous voulez tenter? Ah ouais, j'avais oublié. C'est joli ici. La pierre bleue comme ça. Oh, je crois que vous avez pas aimé ici. Y'a de la flotte? Ah ouais. Bon, attends, faut que je range mes affaires alors. Ah, un tout petit peu, c'est tout. Hein. Ah, ça va. Par contre, c'est juste très bas. Un petit peu. Oh putain. Tu fermes la marche? Ouais. C'est bien. Comme d'hab. Comme d'hab. Comme ça, regarde ton boule en passant. Oh, je sais que j'ai un boule de rêve. Moi, je fais souvent serre fil. Serre fil. Tu veux serrer mon fil ou quoi? Ben, c'est un terme, en fait. Oui, je sais. Guide fil, serre fil. Mmh. Tu sais, je suis animateur avec les gamins. Donc, il y a ces mes termes là. C'est ce qu'on dit. C'est dans la plongée là. Moi, je cherche. La guide de palanquée, t'as le serpent qui ferme. Là, les gars, c'est pas... là, ça peut nous emmener à fond. Et qui gère au cas où s'il y a un mec qui est. Comme le guide est devant, il voit pas, qu'il y a un problème, l'autre il va pas. Bouge, bouge, bouge. Non, mais juste, je vais vérifier un truc. Parce qu'apparemment, il y a un puits ici. C'est que le début. Ouais. Normalement, ça me permet de faire des repères. Moi. Il y a un beau petit puits là. Oh putain, connard. Je viens de voir la lumière, le mec. Excuse-moi. Oh, je suis aveugle, les cousins. Oh. Attends. Vous l'avez vu, la lumière divine. Et j'accule pas, hein. Ce qui me choque, en fait, le problème, c'est que c'est la lumière divine. Je suis pas divin, hein. Je suis même pas fait pour... Oh, si, t'es divin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que... Cette salle en plus, ouais. Ça fait très longtemps que je sais pas y aller. Y'a personne en plus. On se pose un peu vite fait ici, les gars.
Carrément. Ah, il y a même un sac poubelle. Mathieu Oh, il y a des bancs et tout. Il y a des bancs et tout. Je suis un peu rabattre. Bon, je vous l'enjoins. Et qui me tue? Non, ta gueule. Je suis pas de ce bord. Tempère. Ah. Nous sommes réunis en ce jour. Oh le bâtard. Pour invoquer l'âme maudite. T'imagines là? Je pense qu'on va devoir sortir. Sérieux, t'en as marre? Déjà? Déjà. Ah, moi je suis heureux. Moi. T'en as marre? Non. Non, non, assume si t'en as marre. Tu me dis, écoute. Tu me fatigues. Écoute, tu me fatigues. Tu me casses les couilles quoi. Ouais, j'aime pas ton ambiance à la con. J'aime pas ta gueule. Sérieux déjà? Putain, on se reverra plus alors. Oh. Enfin, c'est clair. Moi j'aime bien cette petite fille. Oh, ça glisse les gars. Ah, oh, c'était de l'eau boueuse, elle était dégueulasse. Elle... Oh non, oh, fallait pas me le dire. Si c'est de la boue mon trou. Non, ah ben je. C'est de la boue, on peut plus. Oh mon gars, elle fait bader la meuf au bout. Ah, c'est son téléphone, on peut pas bader le futif. Eh mon gars, elle fait bader la meuf. Oh bâtard. Ouais. Ça s'effondre. Parce qu'il y a des tourpillons en fait, c'est ça. Enfin, il y a des gens qui aiment, moi j'aime pas. Bon allez, vas-y, demi-tour. Non. Ah, chat. Bon, ici on est dans la salle X en gros. C'est ça, Loulou? Ouais. Tiens, lumière acolyte. Je te remercie. Petite salle, voilà, posée. Oh putain, il y a même un caillou. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est cool. Ça te plaît? Ça te plaît? On connaît. Non, mais je dis ça te plaît, c'est une expression. Ouais, quoi. Là, t'as de la chance parce que la dernière... Petite, t'as fait tout ça, mon gars. Ouais, mais ça va. Ouais, c'est bon, de toute façon, c'est une partie nord, on est rue d'Arro. Et puis, file mon acolyte qui est juste derrière. Grâce à lui, on est là. Nique là. Oh putain, merci mon YouTube, Aristat Big Boss. Hein, on vous demande de vous abonner et de mettre un like. Justice pour Théo. On est Charlie. Théo Forever, mon pote. On l'a dans le cul, on l'a dans le cul. On est Charlie. Non. T'es pas Charlie, toi? Non, moi je suis. Putain, je vais avoir des problèmes sur YouTube. Bah non, c'est moi qui vais avoir des problèmes. Bon, écoutez, il ouais, y aura un gros slam là à ce moment-là. Ouais, c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Salut, on vous aime bien et puis à tout à l'heure. Oh, non. Marie. Je crois que là, j'ai consommé trop de drogue. Ça va? Là, tu viens 36. On a quand même, je me suis embarqué. Ouais, j'ai entendu quelque chose comme toi. Non, là, je déconne pas. Je sais que je suis d'humeur joyeuse. Je te l'ai dit, le Nord, c'est chum. J'aime pas aller ici. Ouais, mais c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux, mais ça fait très peur quand t'es pas habitué. T'entends des bruits, il y a beaucoup de résonance aussi. Bon, les gars, on est où? Un petit message quand même pour la caméra. On a Zugunta. On est dans le Nord. Ouais. De toute façon, c'est écrit Zugunta là-bas. Où ça? Ah oui, Zugunta. Putain, on est chez les Africains. Ouais. On est au Mali, les gars, avant de... bientôt, tu seras en Arabie Saoudite. Cette salle, elle est assez mythique, quand même, parce que... Il y a un pingouin. Voilà, déjà, il y a un pingouin, il y a beaucoup de piliers pingouin. Derrière. Non, sérieusement, les gars, il y a beaucoup de piliers qui ont référence aux légendes de Bretagne, je crois. Ah putain, tu connais, t'es historique, toi. Aux légendes bretonnes qui disaient que les lutins déposaient des petites statuettes comme ça, même en Irlande. Après, il y a beaucoup de piliers centrales, ça, faut vraiment filmer, c'est très rare, c'est très joli. Moi, c'est le truc qui est là-haut qui me plaît, moi. Ouais. Et vraiment, c'est une salle très 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 belle qui est à peu près sans ton doigt. Non, ah, putain, mais sérieusement, je suis en train de faire une vidéo pro et tout. Toi, tu dis sans ton doigt. Ouais. Enculé, dégage. Bon, on salue notre ami le pingouin voilà, qui nous a fait très flipper en arrivant, très honnêtement. Bon, après, je peux pas vous dire dans combien de temps on a fait qu'on marche. Bon, ça va bien faire, peut-être genre. Putain, ça fait longtemps quand même. On a fait une pause dans la salle chaumière. C'est un nickel, hein. Je ne sais pas, je suis en train de filmer. Il doit être 2h30 là, pas loin. Mais sérieux, on voit pas le temps passer, hein, très honnêtement. Hein. Bon, à tout de suite. On n'est pas fatigué. Ça tente, Chris, ça tente là. Il y a plein de trucs ici à faire. Eh là-bas, il y a un autre truc là. On n'est pas fatigué. C'est DJ Loup 22 est là. Catafile, catacombe, on est là.
Le gars, il a que ça à foutre, tu sais. Il est 2h30 du matin. Putain, mon gars, mais ça me fait grave kiffer ce bruit. T'es derrière, toi? Eh, hey, t'es là? Oh, ouais, tu me fais flipper. J'ai cru que t'étais parti. Bon, là, on est sous un couvent dans le 12e arrondissement, c'est ça? 12e arrondissement, les couvents des sœurs. Bah, ça descend un peu partout, en fait. Donc, petit film vite fait. Post-clope, remise en marge de nos lampes de poche. Ça va, Matt? Ouais. Chris, bien? Impec. Bien. Et Loulou? Comment il va? Ça va, Loulou? Merci de me répondre. Ça va, je t'ai dit, ça va. Ah, moi aussi, je ça va. Je suis concentré sur ce que je fais. Je ah, si, ça va, tout va bien. Et moi? Et moi aussi, ça va. Bon, écoutez, je suis tout transpiré, donc ça se voit clairement. Et il y a un passage secret qui mène chez les bonnes sœurs. Et ouais, par contre, waouh. Hey, eh mon gars, il y a des passages secrets. Hey, poteau, il y a des passages secrets là-bas encore. Du? On est pas loin du but. Ah, j'ai compris, on est à côté de la pute. T'as vu ma tête, elle touche presque le plafond. Peut-être aussi, on va savoir. Oh, tu crois qu'il y a des putes ici? Oh non, non, les pauvres bonnes sœurs, non. Je suis pas d'accord. Je sais pas où ça mène. En fait, pour la salle Z, t'es obligé de passer par les bonnes sœurs. Oh putain, les dédales et les trucs. C'est merdé, j'ai... Putain. Et là, cul-de-sac. Non, même pas. Moi, d'abord, je préfère retourner en arrière. Moi, je préfère retourner en arrière. Attends, viens, juste le premier, là, non? Je comprends pas. On est pas trop loin du cul, franchement, j'ai pas de me mettre à l'aise. Bon, elle est où, l'âme de l'explorateur? Comment? Oh, merde. On commençait à rigoler. Oh mon gars. Ah non, bah, ouais. Ah putain. Merdier là-dedans. Même dans les catacombes. Jusqu'à dans les catacombes. Attends, j'arrive. C'est bon, t'as? Non, je sais pas. Bah. J'arrive. One, two, one, two, one.
and listening. Okay, guy. Exploration. On est mort. On est claqué les gens. 6h depuis, ouais, 6h je crois. On est rentré, il était quoi, 11h30 et on ressort, il est bah, 8h bientôt. 8h, bah écoutez. Magnifique exploration. Grâce à ce magnifique guide qui est moi. Voilà. Moi, le guide. Merci à Nico et merci à Chris. Tonton Chris pour la carte et tout ça. Vas-y. Merci à Mathieu pour son humour. Et j'ai envie de dire le mot de la fin. Pénis. La belle croûte. La belle croûte, les enculés, la belle croûte. C'était Aristote Big Boss et ses coéquipiers là. Ici présente maintenant ses amis proches. Pouce bleu. T'as eu mon cul. Abonne-toi. Et toi, tu l'as touché. T'as touché le mien. Bref, on vous salue, on vous souhaite une très bonne journée. Et puis à la prochaine pour de nouvelles explos. Faites au revoir, les amis. Non. Oh, les enculés. Ciao, on vous aime.